T'es un mec génial. T'es un super flic. Super flic qui est sorti avec une meurtrière qui l'a demandé en mariage. Faut penser qu'à votre gueule. Aujourd'hui, comme il y a 20 ans, vous détruisez tous ceux qui ont le malheur de vous aimer. Tu peux pas t'en vouloir comme ça. Alors pourquoi je culpabilise à mort ? Mon Bilal, il va avoir 33 ans la semaine prochaine, ça me fait tout bizarre. Vous allez faire une fête, j'espère. C'est pas parce que t'as honte de moi que tu m'en as pas parlé. Mais j'ai pas honte de toi du tout. J'aimerais profiter de l'occasion pour vous présenter quelqu'un. Ils sont rentrés beaucoup plus tôt que d'habitude. Beaucoup plus tôt que je le pensais. Il devait avoir un prof absent ou quelque chose comme ça. Mais dis plutôt que tu t'éclatais tellement au lit avec cette fille que t'as pas vu passer l'heure. Je veux juste savoir si tu l'as fait. Oui, mais occupe-toi de tes affaires, ok ? Attends, t'étais bien contente que je me mêle de tes affaires quand j'ai dû mentir à... Manon, tu peux me filer ton livre de géo, s'il te plaît ? J'ai oublié le mien dans mon casier. Je sais pas où il est. D'accord. Merci de ton aide, en tout cas. Désolée, j'avais pas vu. Ouais, bah peut-être que si tu décrochais 2 secondes de ton portable, t'aurais vu qu'il était sous ton nez. Bon, ça y est, tu l'as ton lit, tu peux bouger maintenant. Oh, mais qu'est-ce que je t'ai fait ? Pourquoi tu m'agresses tout le temps comme ça, là ? Désolée, je suis un peu saoulée, mais c'est pas contre toi. C'est quoi le problème? C'est Dylan, c'est ça? Il te répond pas? Bon, lâche-moi, Arthur, sans déconner. Ouais, enfin, je sais pas si t'es au courant, mais c'est pas en le fixant que ça va le faire sonner. Bon, bouge! Ah bah voilà, ça y est, tu l'as lâché ton portable! Je te jure que si tu sors pas de cette chambre, je te balance à la figure! Je m'en fous, je sortirai pas tant que tu me diras pas pourquoi ça va pas. Ah, bah ça a l'air d'aller finalement. Écoute, je sais que c'est compliqué, mais c'est aujourd'hui ou jamais. Ah, je croyais que tu me mettais pas la pression. Mais je te mets pas la pression, c'est juste que ta fête d'anniversaire, c'est demain. Je sais, ouais. De toute façon, t'as deux solutions. C'est ou t'en parles à ta mère aujourd'hui tranquille, ou elle apprend demain devant 40 personnes que t'es un mec. Ouais, t'as raison. Faut que je lui dise aujourd'hui. Ouais. Ça, j'ai déjà entendu ça. Mais il est matinal. Eh, ça va. Ça va. Ouais, j'avais de la paperasse en retard, alors bon. Bon, t'as eu mes messages ce week-end? Oui. Et pourquoi tu m'as pas appelé? Ah ben, j'ai pas eu le temps. Désolé. J'ai fait un grand nettoyage dans mon appart, j'ai bougé les meubles, j'ai pas eu le temps. Alex, je t'ai dit de m'appeler si ça allait pas. Bon, ça va très bien. Ouais. Non mais ça va très bien. Quoi? Alex, y a pas de honte à avoir besoin d'aide, ok? Moi, à ta place, je serai au fond du trou, là, alors... Mais qu'est-ce que tu fous, là, quoi? Mais
comment ça, qu'est-ce que je fous là, je bosse? Bah oui, tu bosses, mais bon, le commissaire, il t'a dit de prendre des jours. Prends des jours, merde. Mais je suis pas malade, les gars, calmez-vous. Bon, tu veux pas appeler à la SSPO, au moins, pour régler ça? La cellule psy? Ouais. Tu déconnes, pourquoi faire, là? Bah, pour parler de ton histoire avec Gaëlle. Tu sais ce qui m'aiderait? C'est qu'on arrête de parler de Gaëlle. D'accord, ouais, mais toi, t'as peut-être besoin d'en parler, toi. T'as peut-être besoin de vider ton sac. J'ai besoin de rien du tout, c'est beau. Hein, je vais passer à autre chose. Ok. On a un week-end. Ah oui, voilà, on a un week-end. Bon, hé, on va pas se le cacher, j'ai pris une grosse claque. D'accord? Non, j'en ai pris plein la gueule. D'accord. Mais j'ai décidé que c'était pas cette fille qui allait me bousiller ma vie. Ça en vaut pas la peine. Ok. Tiens, numéro de la SSPO. Au cas où. Au cas où. Manu. Oui, Léonie. Oui, bah j'ai transmis le dossier au juge. Hier. Ah. Ben voilà. Il commence à aller mieux, notre petit dromadaire. Quoi, vous voyez ça? Je lui ai fait un frottis sanguin, et après coloration, on voit apparaître des réticulocytes. Ce sont des cellules qui vont devenir des hématies. Venez voir. Ah ouais. Ah ouais, intéressant. Alice, vous êtes sûre que ça ne vous intéresse pas de m'accompagner au colloque cet après-midi? Qu'est-ce que c'est, déjà, le sujet? L'influence du changement climatique pour la répartition sur le territoire. Non, je pense pas, c'est gentil, Maudy. Ah, vous avez tort, parce qu'il y aura toute une partie sur la maison charbonnière. Ah bah ouais, ça serait con de rater ça. Ah, c'est vrai, et puis il y a le cocktail de clôture, il y a toujours une bonne ambiance. Ça peut être sympa de faire de nouvelles rencontres, non? Mm-hmm. Bah, va pour le cocktail. Super, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Je rêve ou il essaye de me caser? Bah, peut-être, hein, je suis pas sûre, c'est tellement subtil. Oui, oui, il est libre. Mais il y a une forte demande sur cette période, donc il faut vous décider assez vite. Voilà, c'est ça, 2000 euros pour 15 jours, avec 30% d'acompte et le reste quand vous arrivez. Et par contre, si vous payez tout d'un coup, écoutez, je peux vous faire 10% de remise. Non, mais je vous en prie, c'est normal. Très bien. Très bien. Eh bien, écoutez, dès que je reçois le virement, je vous envoie l'adresse. Et vous, de votre côté, si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas à m'appeler. Je vous en prie, merci à vous. Au revoir. Au revoir. Ça va? Ouais. C'était cool, ta conférence à Stockholm? Bon, je sais pas si cool, c'est vraiment le terme pour décrire un week-end passé à traduire des discussions entre experts en sidérurgie, mais c'était bien payé. Et toi, t'as encore arnaqué un pauvre couple de touristes? Attends, je leur ai fait une super histoire. Oh là là. Tu sais que ça va te retomber dessus un jour, tu devrais arrêter avant de te faire choper. Mais c'est prévu. Ouais. Si, si, pour de vrai. Ouais. Je peux savoir comment t'as l'intention de gagner de l'argent honnêtement, toi? Qui t'a parlé d'honnêteté? Non, 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 si j'arrête les arnaques, c'est parce que je suis sur le coup du siècle. Je veux même pas le savoir. T'as mangé? Non, mais j'ai la dalle. Moi, je m'en occupe alors. Toi aussi, tu penses que je joue avec les sentiments des gens? Qui t'a dit ça? Gaëlle Lestrac. Je m'en suis pris plein la gueule quand elle a fait ses aveux jeudi dernier. Qu'est-ce que t'en as à cirer de ce que raconte cette cinglée? Elle a pas tort. Je me fous complètement de ce que les gens peuvent ressentir. Je pense qu'à moi, non? T'es un petit peu égoïste, ouais. Un petit peu. Bon, ok. Tu penses qu'à ton plaisir sans te soucier du mal que tu peux faire autour de toi. T'as un vrai problème avec la fidélité, un vrai problème avec l'engagement, mais... Jo, c'est pas maintenant que tu vas changer. Mais pourquoi pas? Bien sûr qu'il faut que je change. Je vais changer. T'as d'autres qualités, tu sais. Va dire ça au type qui s'est suicidé à cause de moi il y a 20 ans. Ma sœur est une belle égoïste, mais elle a plein d'autres qualités. Tu te sens responsable? Bah, évidemment. Même si je savais pas qu'il était aussi fragile, je me suis pas bien comportée avec lui, tu sais. Tu pouvais pas prévoir. Non. Maintenant, je peux. Je sais que mon attitude peut briser quelqu'un. Il n'est pas question que ça se reproduise.
ça se reproduira pas. Non. Parce que tu sais quoi, je vais tout faire pour changer. Salut frangin. Salut. Cadeau de maman pour la soirée. Putain, comment elle a saoulé le caviste. Pourquoi? Ah bah parce que c'est l'anniversaire de mon fils et puis je veux que tout soit parfait, donc je veux du bon vin, parce qu'il va me présenter son amoureuse, enfin raconter sa vie quoi. Voilà, la mienne surtout. Ah mais laisse tomber, elle est en stress total, elle en parle toute la journée, on dirait que c'est elle qui va nous présenter quelqu'un. Elle s'est même acheté une robe, même deux. Oui, forcément, elle sait pas laquelle mettre. Hein. Oh bah tu plaisantes là. Ah non, mais bon, moi aussi, hein. Je me suis acheté un beau costard pour être beau gosse devant ta meuf. Mais arrête. Moi je rigole, hein. Eh, t'es tendu toi, hein. Ah non, non, pas du tout. Bon, je me sers à la cuisine. Eh, au fait, blonde ou brune? Hein? Bah, ta meuf? Bah, avec maman, on a fait un pari, mais moi, je sens bien une blonde, hein. Bah dis donc, ça fonctionne. Pourquoi tu réponds pas? Mais parce que je suis au travail, Davia. Non, Alex, là, t'es en pause. Bon, j'allais y retourner. Qu'est-ce que tu veux me dire? Bah... Déjà, savoir comment ça allait. Bah, ça va nickel. Voilà. Alex, sérieux? Bon, ça va très bien. Vous allez arrêter de me chaperonner tous, là? Ok, t'énerves pas. Pardon. Tu viens à la nif de Bilal demain? Non, vraiment, ça me tente pas. Allez, viens. Non, je t'ai dit que j'ai pas envie. Allez, Alex, ça va te changer les idées, ça va te faire du bien de venir. Non, mais justement, j'ai pas envie de casser l'ambiance. Tu viens de me dire que ça allait, là. Moi, oui. Il y aura Joe et je suis pas sûr qu'il ait envie de passer la soirée avec un flic qu'il a accusé de meurtre. Tu réfléchis trop. En plus, je suis sûr que ce serait une très bonne idée que tu viennes à cette soirée et que vous amusiez un peu tous les deux. Bon, écoute, on n'est pas d'accord. Mais tu vas arrêter de m'appeler, sinon je te bloque. Quoi? Non, attends, tu ferais pas ça, Alex. Tu bloquerais pas ta sœur. Je vais me gêner. Salut. Salut. Ça va? Oui. Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. Je savais pas si t'allais me rappeler. Je suis désolé. Je savais pas quoi faire. Pourquoi? On a passé une bonne soirée, non? Ouais, c'est bien ça qui est compliqué. Ça serait beaucoup plus simple si tu me plaisais pas maintenant. Bah si je te plais, pourquoi c'est compliqué? Parce qu'on a 15 ans d'écart. Et alors? Attends, qu'est-ce que tu fais? Je fais ça pour toi, Manon. Vaut mieux que tu trouves un mec de ton âge. Non, mais reste, s'il te plaît. C'est pas une bonne idée. 5 minutes. 5 minutes. Écoute, j'en ai rien à foutre des mecs de mon âge. Je fais que penser à toi. Qu'est-ce que ça peut faire, notre différence d'âge? Ça te dérange? Tu me trouves trop gamine, c'est ça? Pas du tout. Alors c'est quoi le problème? C'est les autres, c'est ça? Parce que moi, j'en ai rien à faire des autres. Je les vois pas, je les entends pas. Je fais ce que je veux et avec qui je veux. Et là, ce que je veux, c'est être avec toi. Bon, ben, je pensais pas devoir dire ça un jour, mais... Au Paris-Dé. Au Paris-Dé. En tout cas, heureusement que t'étais là. C'était un peu l'angoisse, là, tous ces vieux profs omnubilés par leur spécialité. T'as raison, moi j'ai flippé aussi à un moment donné. Avant que t'arrives, il y en a un, j'ai cru que j'allais me tirer une balle. Il m'a tenu la jambe pendant une heure en me parlant des mésanges charbonnières. Est-ce que c'était un petit monsieur avec des lunettes et des cheveux en mode ça m'en fout? Ah, tu te l'écoutes tiner aussi? Oui. Enfin, non. C'est mon patron. Ah.
à la gaffe. Je suis désolé. Non, t'inquiète pas. Je l'aime beaucoup. Ok, bon, ça va. Et puis les maisons charbonnières, je me les garde les nuits d'insomnie. Ah, bah oui, je comprends. Je suis désolé. Tu m'excuses deux secondes, j'ai un appel que je dois prendre. Je reviens. Allô? Oui. La place est prise. Bah oui, j'ai vu. C'est qui ce beau gosse? Je l'ai rencontré à un colloque. Mais là, il est en train de me faire le coup d'appel d'urgence pour se sauver. Mais non, il te kiffe, c'est sûr. Tu crois? C'est Manon, là. Ça fait deux fois qu'elle dort chez Inès dans la semaine. J'aime pas trop ça. Bah pourquoi? Au contraire, c'est parfait. T'en vois Arthur chez son père. Et voilà, t'as la villa pour toi et ton nouveau mec. Alors? Je suis claqué. Mais raconte, ta mère, comment elle réagit? Ah bah attends, deux secondes, là. Tu veux manger quoi, ce soir? Je sais pas, comme tu veux. Y a un Italien, là, juste à côté. Ok, très bien. Tu m'as manqué. Tu lui as pas dit, c'est ça? C'est quoi ton excuse, cette fois? Bah, j'en ai pas. Je le prends pas comme ça. Mais tu veux que je le prenne comment? Ta fête, c'est demain. Tu joues à quoi, sérieux, là? Mais je joue pas. J'arrive pas à lui dire pour nous deux. Je sais pas, je fais un blocage, là. Ouais, c'est moi qui commence à bloquer, là, tu vois. Ok. Tu fais quoi? Je demande à ma mère de passer à la coloc demain matin pour m'aider pour les préparatifs. Et je lui parlerai à ce moment-là. Merci. Putain, je suis mort de trouille. Ouais, c'est normal. Moi aussi, je suis passé par là, tu sais. Bon, tu sais quoi? On va tester cet Italien. Et ensuite, on enterre ta vie d'hétéro. Non, parce qu'en fait, cette habilitation, c'est ça qui va me permettre de passer prof à la fac. D'autant que là, à l'université de Nice, ils viennent d'ouvrir un poste. Alors autant dire que moi, je me suis mis sur le coup. Sauf que mon ex, qui a également eu son habilitation l'année dernière, elle aussi s'est mise sur le coup. Bah, c'est quand même pas de bol. Bah, le poste. Non, parce que autant, pour les enfants, je trouve ça normal de garder des bonnes relations et de faire en sorte que tout se passe bien. Mais là, je sais pas, je vois pas pourquoi je lui ferais cadeau. On est quand même pas là pour s'emmerder. Non, c'est sûr. Ouais. Il est quelle heure? Bientôt 19h. Ah oui! Ah oui, d'accord. Ouais, j'ai pas vu le temps passer, dis donc. Ah, mais c'est pour ça que j'ai faim. T'as pas faim, toi? On se commande un truc? Non. Non, je suis pressée. Et puis j'ai deux ados affamés qui m'attendent à la maison. Ah. Prochaine fois? Ouais, avec plaisir, bah je t'appelle. Ok. Non, non, bouge pas. Ah. Ciao. Ok, salut. Bon, tu me filmes en suite, s'il te plaît. Non. Tu restes dormir ici. De toute façon, tu bosses pas demain. Je sais, mais je vais rentrer dormir chez moi. Mais pourquoi? On pourrait se voir un film, non? On pourrait passer la nuit ensemble. Passer la nuit ensemble. Ça nous arrive jamais. Ah bah ça, c'est dommage. Qu'est-ce qui se passe, toi? Mais quoi? Mais ça va. Tout va bien, c'est... Non mais je réalise que toutes ces épreuves, ça nous a quand même beaucoup rapprochés, non? Ce serait peut-être l'occasion de passer un cap. Un cap? Bah oui, la vitesse supérieure, si tu veux. Mm-hmm. T'es en train de me dire que t'as envie d'une relation de couple normale avec moi? Oui, voilà, c'est ça.
Je suis prête. Ça te plairait pas? Si, ça me plairait, mais est-ce que toi, ça te plaît? J'adore l'idée. Je t'aime, tu sais. C'est la première fois que tu me le dis. Ça va? Ouais. T'es sûr? Parce que ça a pas l'air. C'était pas bien? C'était parfait. Je pensais pas que ça se passerait comme ça, c'est tout. Pour moi aussi, c'était super. C'est vrai? Tu sais que t'es une fille incroyable. J'ai envie d'ouvrir ta fenêtre et dire à tous tes voisins qu'on vient de faire l'amour et que c'est le truc le plus cool du monde. Ok, on va garder les fenêtres fermées. Hein? Parce qu'il faut pas trop qu'on parle de notre relation pour le moment. Mais arrête, je t'ai dit que je m'en foutais. Ouais, toi, mais... Mais moi, non. Attends, ça veut dire quoi, ça? T'as honte de moi? Mais non, c'est pas ça. C'est... Je me mets à la place de tes parents, par exemple, et je me dis... Comment ils réagiraient s'ils apprenaient que tu sortais avec un mec à deux fois ton âge? Non, mais je me suis renseignée. C'est pas illégal, ce qu'on fait. J'ai plus de 15 ans. Mais c'est pas ça, le problème. C'est ça, le problème. Mais c'est quoi, le problème, alors? Le problème, c'est... C'est qu'ils voudront jamais de notre relation. S'ils l'apprennent, ils t'interdiront de me voir. Ça va pas? T'as un souci? T'es malade, c'est ça? Je trouve ça bizarre, tu trouves pas ça bizarre, toi? Non, je m'en fous, en fait, c'est pas mon problème. Tu serais d'accord de faire ça? C'est pour être avec toi. 21h. Et d'ici là, pas un mot. Surprise, surprise.